Ok, donc là il s'agit de groover avec les ghost notes. Le principe il est simple, on le connaît pour la plupart déjà bien. C'est de faire des doubles croches entre main droite et main gauche quand on joue à la croche. Donc au lieu juste de faire, on fait. Donc bien sûr la main gauche elle est sur la caisse claire et elle fait les ghost notes, pas fortes. La grosse caisse sur tous les temps pour bien centrer le rythme. Alors le backbeat, les temps faibles, on appelle ça les backbeats. On peut mettre l'accent en général donc avec la main droite. On peut mettre aussi avec la main gauche si on enlève la ghost note d'avant et d'après l'accent. Voilà. Mais comme là on joue à la croche, il n'y a pas beaucoup de ghost notes. Il faudrait jouer la double croche. Ça nous laisse plus de possibilités de mettre des ghost notes avec la main gauche. Donc c'est pour ça qu'on met le backbeat avec la main droite. Et on peut rajouter des accents de la main gauche. Donc, pour s'échauffer, petite parenthèse, entraînez-vous à vos rudiments de double croche avec accent. Surtout pour la main gauche. Bien contrôler les accents sans perturber les ghost notes autour. Il reste toujours pas fort. Donc s'entraîner lentement, mettre des accents. Donc des fois les accents de la main gauche font déplacer le backbeat, mais c'est super joli et ça marche super bien en musique.